Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur un nouvel épisode de Mad Max. Donc chers amis, on va construire un petit peu les différents projets qu'on avait réussi à débloquer donc dans le précédent épisode. Hop. Et de 1. Ok. Pas de petite. Voilà. Alors là, je vois de la ferraille à donner aussi. On y va. Par contre, il semble pas m'avoir pris en compte la mission. Large réserve, donc bon, hop. Ok. Ah là, il y a un gros truc de flamme maintenant. Ça, c'est cool. Et je vois pas trop de différence d'ici. Bon, y a toujours l'autre qui attend à droite. Forteresse améliorée. Élevage d'asticots. Maintenir pour aller construire l'élevage d'asticots. On est bon. Parfait. Ok. Ça, c'est bon. Alors, par contre, j'ai l'impression que oui, il m'a pas regardé la quête. C'est marrant. Il m'a pas gardé la quête du tout. Alors j'ai juste coupé le jeu et ça m'a pas. You brought my child back. I knew there is more for you out there. I saw it when running with my child. Ah non, c'est une autre quête, d'accord. A hatch in the ground, leading down to wealth. Perhaps something was. Excusez-moi. Débloque la suspension Big Mama. Hope et Glory ont découvert un refuge, une sorte de trappe en métal enterrée dans le sable. Fouillez les lieux pour trouver des marchandises de valeur. Débloque le truc Big Mama. Ok, à l'aveuglette. Déjà le nom est bon. On sent qu'on va devoir chercher. Ok, ça va. Effectivement, si on savait pas du tout où chercher, on serait paumé. Hein. On va peut-être modifier un petit peu la carcasse de notre véhicule. Quoique, on va dans le sable. Ça peut être cool. Quoique non, le sable dans les moteurs, c'est pas bon. Hop, ouais, je regardais vite fait si on avait justement de quoi passer. Est-ce que le sable passait ou non? Oh, je l'aime pas celle-là, je la trouve moche. Hop! On va partir là-dessus. C'est parti! Hop. Oui, j'ai bien compris. Hop, on y va. Ah là là. On arrive bientôt à la fin de nos vidéos là-dessus. Hein. Je sais pas ce que je vais mettre. Alors, j'ai compté vous mettre un jeu d'horreur, mais qui était assez ancien. Qui doit avoir genre un an. Je sais pas si je vais le mettre au final. Je sais pas s'il y a d'autres jeux qu'on va me proposer ou. D'autres jeux que vous voulez me proposer, à vous de voir, hein. Vous pouvez très bien me proposer des jeux. Hein. J'essaie d'être le plus... Si quand je refuse, j'essaie de vous donner une raison la plus précise possible. Pourtant, beaucoup d'entre vous m'ont proposé Terraria parce qu'il était proche de Starbound, et c'est justement parce qu'il est trop proche. C'est-à-dire que Starbound est en fait une sorte de clone de Terraria, de base. Et c'est justement parce qu'il est proche, c'est la première raison que je donne, c'est parce qu'il est proche de Terraria que je ne veux pas y, de Starbound que je veux pas y jouer. Mais la deuxième vraie raison, c'est surtout que j'ai le jeu, hein, j'ai Terraria et je n'ai jamais pu rentrer dedans techniquement ma tête n'a jamais pu rentrer dans le jeu. Il y a un truc qui colle pas, il y a un truc qui me correspond pas dans le jeu, peut-être son aspect très survival je sais pas, je me perds dans le jeu en fait dès le début, je n'arrive pas à m'y intéresser, le jeu ne prend pas autant que Starbound. Bon, c'est très difficile, et si je me mets à jouer à un jeu pour la blague, sans forcément apprécier le jeu, vous allez le ressentir. Hein. Moi, de toute façon, si j'y vais à reculons pour tourner une vidéo sur un jeu, c'est pas bon signe. Quoi. Hop.
Donc n'hésitez pas à me proposer des jeux hein, dans les commentaires, mais aussi dans le groupe Steam. Il y a un forum dédié à ce... Enfin, un post dédié à ce... Comment... À ce sujet. How will we ever find such a small thing in this sea of sand? Wait, I spy it! Salvation! Pas l'ouvrir au truc, d'accord. Sands must have shifted recently to uncover this. Oh, dis donc, c'est marrant comme... Hop, les. Elle s'ouvre même pas dans le sens que je l'aurais... Hop, on saute. Ah, c'est une trappe de métro! C'est la trappe d'une rame de métro. Par contre, c'est vraiment sombre. Wow. Non, pas doucement, t'es fou. Oh putain. Il y a de la vie. Someone took shelter here. There must be something here of use. Apparemment, il n'y a rien à récupérer. Rien de forcément récupérable. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Hop là. Mais tant que je les ai sous le nez, on peut en profiter. Alors je l'ai vu hein, dedans. À vrai dire, je me demande juste encore comment que je vais faire pour le rejoindre. Hop là. Ah, il y a une porte. Ouais, mais c'est pas par la porte que je vais rentrer. Pas par celle-là non plus. Ah, il y a une porte au-dessus, peut-être une trappe. Une autre trappe au-dessus. D'accord. Allons voir. Ah, hop là. Hop. On va forcer dur hein, pendant cet épisode, on va pousser. Hein. Nom de Dieu. Hop. Ok, pourquoi pas. C'est sympa, c'est pas un truc qu'on avait déjà vu en plus, donc c'est assez cool. Hop. Allez, monte. Elle monte. Max. Hop. Récupère ça. Je fais le tour quand même du machin, hein, sait-on jamais. Bon, on rentre dedans. Shelter. Just what she was looking for. Ok. Me dis pas que j'ai trouvé les suspensions là-dedans. Oh. Hunchback can probably fix it up. Ok. Encore un bon tuyau. Cet endroit ferait un refuge idéal en cas de besoin, mais je dois poursuivre ma route. Hop. Alors la suspension, la dernière suspension. Normalement si je mets celle-là, ça se voit pas à l'image, d'accord. Ok. Cependant nous n'avons pas eu de succès. J'estime donc que... Ah oui, non, le succès c'est de débloquer toutes les arcanes normalement. Construire. Construite. Construite, construite. 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 Construit. Non, c'est construire. Voilà. Construite.
Construire. Construite. Construire. Construite. Construire. Construite. Construire. Construite. Construire, construite. Construire, construite. Hop. Celle-là aussi. La voleuse d'âme. Pareil. Squelette céleste. Pareil. Hop. Celle-ci aussi. Pareil pour celle-là. Normalement, je les ai toutes construites au moins une fois. Donc ça m'intrigue. Hop. Pas exagérer non plus, hein. Voilà, je préfère ce bruit-là. Hop. On va mettre les pneus lisses. On va mettre zéro garde au sol. Enfin, on va abaisser la garde au sol. Ni trop à fond. Aucune jante. Ça, je peux les mettre, hein. Techniquement, je peux les mettre. Ça ne me change pas le poids de la voiture. Remarque, celle-là aussi. Les brûleurs, c'est bon. Vitesse de réparation doit déjà être au maximum. Et on remet celle-ci. Et normalement, la garde au sol est assez basse. On va bien voir, hein, mais... Ah, il y a des gens devant nous. What? Where are you? Come here. Un mort. Va bien. T'as de la chance. Hop. Tombe. Tombe. Hop. Mais non. C'est le bonhomme que je veux, moi. Ah bah, il est mort. Mais où elle est, ma voiture, du coup? Là. Ouais, elle est pas si basse que ça, hein. Et si je la augmente, je la re-augmente, pardon. Ok. Ok, c'est bon, c'est pas grave. Niveau truc, on va pas aller les chercher parce qu'on en a déjà un paquet, hein. Et donc on n'a plus aucune quête à faire ici, il reste plus que les quêtes de Petroville. On va aller chercher ça. Hop. Et on y va. Ah, j'ai les pneus lisses. Ouais, ça va, elle accélère pas trop mal. Ah oui, donc en fait non, elle est incontrôlable. Voilà, elle tourne pratiquement pas. Mais ça ne change pas ça change juste l'adhérence entre guillemets, le fait qu'elle soit contrôlable ou pas, mais pas c'est le poids qui change en fait le fait que je m'enfonce ou non. D'accord. She flies, il le dit plus, c'est chiant. Bon, je vois un moyen de passer, chers amis. Oh, une oasis. What? Une ancienne vraie oasis. Alors ça m'intrigue. Relique historique 1. Ben, on va y aller. Hop. On sait où est-ce qu'elle est, de toute façon.
Oh, il s'enfonce. Oh, le sac. Hop, voilà. Je l'ai fait, maman. Ça y est, maman. Ce bijou est à moi. J'ai une promotion cette année. Dis à papa que c'est vrai. Ça me coûte cher en essence. Mais que j'ai les moyens. On se voit à Pâques. Bisous, Brendan. And every day. Et petit à petit, partout, les choses commençaient à manquer, à s'épuiser, à fuir, à tomber en panne. Tout à fait. Draining, leaking, breaking. Hop, nous voilà bon. Excusez-moi, j'ai vraiment mal à la gorge. Alors, je prends un petit bonbon là. Les médicaments. Les médocs, j'allais dire. Et effectivement, ça revient au même. What? C'est de la boue? Je m'enfonce pas! Pas tant que ça. Non, c'est bon, je passe. Hop. Pousse, je passe. Pas ma faute. Hop, c'est bon. On a réussi à passer la première ligne. Comme vous voyez, il en reste une derrière. Hop. She flies. Bonjour. Hop. Comment vas-tu? Chumbucket, j'en ai seulement entendu parler, mais maintenant je dois le voir. De mes yeux, s'il te plaît, amène-le ici. Montre-le moi, j'ai ce butin si ça t'intéresse. Aimerais le voir en personne? Bah écoute. Il est encore plus tordu qu'on le dit. Pourtant il est si beau. Une superbe créature de notre jovial désert. Merci. Eh, qu'il est stylé comme ça. You're welcome. Hop. On y retourne. J'aurais voulu passer au-dessus, je l'avoue. Mais bon, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Par contre, on peut avoir le cul de la crémière. Hop. Et elle ralentit presque pas parce qu'elle est légère. Et ça, c'est pas cool, chers amis. Raté. Ah non, je crois qu'il m'avait tiré dessus, mais en fait non, ça doit être un bug de collision. Alors, on y est. Oui, on a complètement bourré. Je crois que j'ai eu les deux. J'ai eu les deux. Cette connerie. Alors, on y va. Bonjour. Bonjour. D'accord. Ok. Oh. Oh. Hop, ton arme est à moi. Boum. Boum. Oh, trois d'un coup. Hop. Et hop. Oh. Boum. L'arme va casser. Aïe. Raté. Crac.
Boum. Oh. Boum. Et crac. Non. Ça c'est fait. Bon, qui est le suivant? Ici on a une palette, 4 ferrailles et une pièce ferrailleur. Alors. Allons voir par là. Normalement on devrait pouvoir trouver quelque chose. Non? Oui? Oui. Raté. Finition sur. Non! Bouffe mon couteau! Crac! Et crac! Ah! Voilà! Coucou, panier! Bon! J'ai quand même lâché quelques couteaux dans l'histoire. Hein. Hop! Et deux. Là, y'a rien! Est-ce que je peux récupérer mon couteau? Même pas. C'est même pas sur lui que je l'avais lâché, je crois. Là, c'est un cul-de-sac. Ah, là, c'est la palette. Piller la palette de ferraille. Car oui, je porte toute la palette sur moi maintenant. Hein. C'est pour ce genre, pour un petit coup de RP, ils auraient peut-être dû, par exemple, pour les palettes, je sais pas, faire envoyer une fusée qui puisse venir la récupérer ou un truc comme ça. Ça m'aurait semblé un peu plus logique, on va dire. Hop. Parfait. Ça en fait deux. Là, ça c'est la pièce. Ah merde, fallait que je reste appuyé, c'est vrai. Et un, et deux, et trois. Ok. Donc on a le projet qui est prêt à construire. Une palette supplémentaire. Hop. Et l'autre qui est de l'autre côté, en fait, au niveau de l'autre échelle. Hop. Voilà. On y arrive plutôt bien malgré tout. Hein. Une munition. Deux munitions, mais pas... Pas de... Ferraille. Intrigant. Ah bah la voilà, je suis con. Je l'avais pas vu. Hop, lâche. Parfait. Hop, décharge explorée à 100%. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Il y a une pièce juste à côté. Il y a une mission, une rencontre légende à côté. Bah tiens, écoutez, on va aller faire les trois là. Ça, ça. Ça. Peut-être l'information aussi, on verra bien. Et on verra ensuite ce qu'on pourra faire. Hop, on monte. Hop. Alors, nous y voilà. Waouh. Oh, bien joué. Aïe. Fuyez, bande de fous. Fuyez, pauvre fou. Aïe. Ok. Ok, ok, on y va. Raté. T'es trop mauvais. Comment on fait pour monter? Ah, ah, il m'a roulé dessus, littéralement. Hein. Oh, par contre, t'éviteras les oh yeah comme ça, parce que ça me fait vraiment peur.
Oh, une souris. Je reviens te manger tout à l'heure. Hop. Oh là! Aïe! Hop! Je me suis pris trop de dégâts. Ça ne va pas le faire. Ici, deux ferrailles et une pièce. Ça, c'est les conducteurs des véhicules. Non! C'est le sort que je voulais réserver à l'autre trou du cul. Ok. Vous, je viens vous chercher, ça va chier. Aïe. Couchez. Hop les, t'as brûlé ton pote. Ok, vous vous payez de toute façon, c'est fini. What? De toute façon, vous allez vous prendre une cartouche chacun, ça va résoudre le problème. Hop! T'avais pas un copain tout à l'heure? Il s'est fait péter tout seul, c'est ça? Hop, deux ferrailles. Ma relique historique. Donnez-moi ma putain de relique. Ah non, c'était ça, pardon. 1, 2 et 3. Ok, décharge explorée. Hop. Comme je sais que j'y survis. Chumbucket, come here. Tu m'écrases pas. C'est pas passé loin quand même, hein. Ouais, c'est pas faux. Tu parles vrai. Alors. D'abord. Hop. Bonjour. Hop. Blessings, stranger. May the flame warn in life and scorch in death. We of the wildfire seek a champion. It's spoken that to let the true fire burn bright. Il est quand même bien déchiré, the valves of this accursed town must be turned by an outsider, a blessed heathen. Are you the one I ask again? Are you him who will let all gas flow to the deep fryer? Ok. D'accord. Intéressant. Et ici, qu'est-ce que tu vas me proposer? Ça, c'est pas tout le monde qui le fait dans la vraie vie, ça. Hop. Yo. What? Husband, did you dare hope? Hope is a dangerous thing. What? Is dead. Oh, la gueule! Oh, c'était dur! Comme ma bite, me direz-vous, mais c'était vachement dur. Oh la gueule! Et oui, j'ai contrebalancé un moment violent avec avec une blague moisie. Et alors? Objectif de rencontre, d'accord, ok. On en a 3. On va chercher la réserve d'eau. Et on va aller se les faire. Donc j'imagine qu'il faudra que je retourne dans 3 réserves, 3 décharges que j'avais déjà faites. Seront potentiellement réhabités à l'occasion.
Ok. D'accord, il y en a une autre côté en fait. Ok, elle a résisté ou ça a pas tapé ou... Ok, ça c'est bon. Maintenant, on y va. Aïe. Alors, on a bien vu qu'il y avait un espace monstrueux, mais c'est pas grave. Elle a l'air sympa celle-là, c'est marrant. Ah, j'ai oublié le double coup, fais chier. Raté. Et boum. Crac. Voilà. Non. Coup de la corde à linge. Alors, ici, on doit chercher une palette, 4 ferrailles et une réserve d'eau. C'est parti. Dommage, on a eu qu'un. Raté. Tu le payes. Punition sur un. Non, non, tu le payes. Hop les... Non. Raté. Normalement je l'ai paré ce coup là, je l'ai paré ce coup là. Hop, celui-là je l'ai paré. Raté. Et boum. Raté. Hop. Oh. Il sait plus qui attaquer. Il sait plus qui attaquer. Hop. On lâche l'arme. Ils sont nombreux, dis donc. Raté. Raté. Sur un. Hop. Dégage. Oh, dommage. Dégage. Et boum. Raté. Joué. Ah putain, j'ai encore oublié le double coup, nom de Dieu. Raté. Raté. Boum. Raté. Ah, bien joué. Ah, nom de Dieu. Coup de la corde à linge et... PAN. Non. On peut en approcher, chercher un abri, mais je suis dans un abri techniquement. Ah, oh, putain. On en aura chié, hein. Oh, nom de Dieu, il y a un gros tas de cadavres quand même. Hop, hop. Ça disparaît au fur et à mesure, c'est dommage. Même des gens apparemment que j'ai dépecé. Ah bah non. Je croyais qu'il était enfoncé dans le sol en fait, mais non. Ou coupé en deux, je crois. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ah, c'est dégueulasse au sol. Hop.
Parfait. Là y'a rien, là y'a rien. Oh. Génial. Je sens qu'on va littéralement s'éclater. Pas vous? Pas vous. Je vous avoue que moi non plus. Oh mon dieu. Oh putain, ça peut être dur et juste à côté en plus, hein. Hop, la palette. Deux de ferraille à la pièce réserve d'eau. A préféré que vous soyez mort. Hop les, ça c'est fait. On va récupérer un petit peu les munitions qu'on a perdues tout à l'heure. Hop. La ferraille qui nous manquait. Ah non, il en reste encore une. Il y en a un qui est en train de réparer la voiture. Cette fois-ci, c'est la ferraille qui nous manquait. Il manque plus que la pièce, et le voilà, la voilà. 1, 2 et 3. Parfait. Parfait. Hop. Comment j'en sors? Il doit y avoir un moyen d'en sortir rapidement. Il doit y avoir un moyen d'en sortir rapidement. Oh. Si, peut-être par là? Je suis con. Hop. Un petit peu d'essence. Hop, et la voilà. Tu disais 30 tyroliennes, le chacal volant. Je suis donc un chacal. Hop. Putain, je perds constamment de la santé. Hop. Ok, bah on n'ira pas voir l'information, par contre on ira chercher les différents trucs là. Hop. Hop. C'est de la convient de toute façon. Il a dit Matibainia, ça va vite Sivawa. Non, je crois pas que ce soit ça qu'il ait dit en fait. Bon, je crois qu'il y a d'autres gens. Voilà, ils ont repop, génial. Tu me saoules. Ah putain. Dégage. Oh. Oh, c'était beau ça. Dégage. Ah, hop, vas-y. Magne. Hop, j'ai ouvert une vanne. Et une seule. Merde, je vais repasser par-dessus. Fais chier. Ma voiture. J'ai peur. Eh, hey, hey, non. Nom de Dieu. C'est d'une violence. Hop, qu'est-ce qu'il nous reste? Celle-ci. J'ai pas mangé. Putain, j'ai pas mangé la souris, il y avait une souris dans le coin normalement. Bah non, tu m'arrêtes, elle doit être morte la souris maintenant. Hop. Dommage, elle m'aurait sauvé la vie cette souris, putain. Littéralement. Ouais, ouais, t'inquiète. Ok, on progresse.
T'inquiète pas, j'arrive. Peut-être un petit peu trop nombreux, je vais prendre cher. Non, il y a de la bouffe. Boum. Hop, mange. Mange, Max, mange. Hop, parfait. T'es plein de sang, mais mange. Ah bah, le truc est passé, cool. Cool, cool, cool. C'est moi. Et boum. Crac. Alors, par là, qu'est-ce qu'on a? D'autres ennemis. Hop, raté. Et crac. Ça c'est fait. Hop, on monte à l'échelle. Et on devrait être bon. Hop. Et hop. 1, 2 et 3. Ok. On saute pas comme un abruti. Hop. J'aurais pu reprendre de la flotte, mais j'ai autre chose à foutre. J'ai une mission à accomplir. Celle-ci. Ah, il y en a d'autres qui sont apparus. Il y en a d'autres qui sont apparus, c'est pas possible. Eh hey, tu me l'as fait à l'envers. Eh ben on rentre chez Diphria. J'ai l'impression qu'il me l'a fait à l'envers, je les avais pas vus les autres. Vous les aviez vus vous? N'hésitez pas à le mettre dans le commentaire ça. Je les avais pas vus moi. De Dieu. Bon. Hop. Réservoir d'eau. Dédié à un faux dieu j'imagine, comme tous les dieux hein. Tous les dieux sont faux. Cependant, ils ont d'excellentes raisons de croire en quelque chose. Ouais, je vois pas trop de différence. Peut-être qu'il y avait pas trois pics avant sur le truc. Talk to the friar about it. The architect must have shut down, I guess. Hop. Le plus bel œuf c'est du Nidcrow. Qu'il est con. Hop. Et normalement voici le dernier truc à améliorer. Et on aura fait toutes les forteresses hein. Normalement. Le bâtisseur. Voilà, on a le succès pour avoir tout fait. Tous les projets ont été construits. Temple terminé. Hop. Et voilà. Bon. Bon, bon, bon. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce briser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, on fera le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode de mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu, ainsi que Fallout 4 et Star Wars Battlefront. Encore une fois, merci à eux. Merci à vous de votre fidélité à la chaîne. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et je pose la manette, je passe entre le volant, le joystick, le levier de vitesse, F9 et c'est fini.